Moule à la crème. Ma grande fille adore ça. Alors, dans cette période, on a tous besoin d'un petit réconfort. Je vais lui faire des moules à la crème. Alors, les moules, on les lave bien en dessous de l'eau froide. N'oublie pas, s'il y en a qui sont ouverts avant la cuisson, on les jette. Ils sont pas bonnes. Ensuite, un petit peu de beurre, du beurre à moler ou un petit peu de l'huile d'olive. Moi, je mélange les deux ensemble. Oignon blanc ou échalote française. Mais vous prenez ce que vous avez. Oignon, échalote française, l'ail, persil, du vin blanc, de l'eau. Moi, je mets de l'eau. Elle aime ça avec de l'eau. Je mets du vin blanc, normalement. Ou même un bouillon de légumes, pourquoi pas. De la crème, 15% ou 35%, pourquoi pas. On se gâte. Et un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Dans le chaudron bien chaud, on met un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. On met l'oignon avant, ensuite l'ail, pour que l'ail ne brûle pas. On ne veut pas que ce soit brûlé. Il faut juste que ça devienne translucide. Alors, une fois que c'est tombé, c'est translucide, on va mettre, normalement, vous rajoutez le vin ou un petit bouillon de légumes. Moi, je vais rajouter de l'eau. On laisse réduire à la moitié. Si c'est le vin, vous laissez réduire pratiquement. Là, je vais rajouter les moules. N'oubliez pas, vous achetez un sac de moules en vrac. Puis, vous voyez, il y en a qui sont ouverts. Pendant que vous les lavez, là, vous n'en mettez pas, vous les enlevez, ceux qui sont déjà ouverts. Là, je vais rajouter la crème, un petit peu de crème, et le persil, puis on couvre. Alors, le persil, et on couvre ça. Et dès qu'ils sont ouverts, dans 10-15 minutes, dès que tout sont ouverts, c'est prêt. Ouh! Regarde-moi ça. Yum. Ça sent tellement bon, les amis, là. Vous voyez, c'est tout simple. Des fois, on va au resto. Là, on peut ajouter un petit peu de poivre. Là, on va au resto, on commande des affaires, puis on a peur de faire la recette chez nous, de cuisiner, excuse-moi, de cuisiner ces produits-là chez nous, mais allez-y. Et puis, comme je dis, moi, j'ai fait pour ma fille. On a besoin du réconfort, on a besoin d'amour. Et pourquoi pas ceux que nous autres, on reste à la maison, mais pourquoi pas ceux qui restent à la maison, là, de faire une recette, tu sais, une recette comme ça, là, pour vos conjoints, conjointes, sa mère, père qui travaille à l'hôpital, hein, qui est au front, là, avec cette maladie, COVID-19. Alors, on ne peut pas aller au resto, hein? On peut commander toujours, mais on ne peut pas aller au resto, mais pourquoi pas amener le restaurant chez nous? C'est nous qui sommes chefs, puis on cuisine, on va à l'épicerie une fois par semaine, on achète tout ce qu'on a de besoin, on se fait plaisir, quelque chose qu'on aime manger, qu'on aime cuisiner. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de sous ces temps-ci, mais ça coûte pas cher, des moules. C'est un spécial. Un sac, là, on est trop bien. Et puis, oublie pas, ceux qui sont déjà ouverts avant la cuisson, on les jette. Puis, il y a n'importe quelle chose d'autre là pour faire plaisir à quelqu'un qui travaille, qui est au front, hein, qui se bat pour nous garder en santé, en sécurité. Alors, voilà les amis. Puis, ce jus-là, là, c'est tellement bon. Avec des pâtes, là, c'est yam. Alors, essaye cette recette. Puis, donne-moi des nouvelles. N'oublie pas, ma chaîne YouTube est toujours là. Regarde, va regarder les vidéos, on s'abonne. Merci, bye bye, à bientôt.